La grâce et la paix vous sont données à tous et toutes, bergers, bergères, rois et reines de ce monde que l'étoile a conduit ce matin au maître de ce jour. Lumière de lumière, enfant roi adoré, mais bientôt menacé. Étiez-vous trois, étiez-vous rois, visiteurs étranges de cette nuit constellée, mages venus d'Orient, dit sobrement l'Évangile. Et pourtant, que d'imagination par votre apparition sollicitée. Ce qui m'étonne, voyageurs du désert, riches de votre sagesse orientale, c'est que vous ayez tout abandonné pour venir à l'écoute de ce petit peuple opiniâtre, odieux, solitaire. Avec quel émerveillement je regarde votre prosternement insolite et vos richesses humaines éparpillées sur la paille de ce roi aux pieds nus. Et nous nous levons pour chanter « Brillante étoile du matin », c'est le numéro 272, numéro 272, « Brillante étoile du matin ». Thank you.
Bienvenue à tous et toutes pour ce temps de culte et bienvenue à celles et ceux qui nous suivent sur Internet. Je suis la paix qui descend sur toi. Je suis le pardon qui te permet de poursuivre malgré tout. Je suis la lumière qui fait briller ton obscurité. Je suis l'amour qui te susurre à l'oreille, « Mon fils, ma fille, je t'aime. » Je suis la bonté qui t'accueille tel que tu es. Je suis la tendresse, viens te blottir dans la douceur de mon regard. Je suis la confiance, lâche tes peurs et suis-moi. Je suis la joie du sourire de l'ange, je suis l'espérance que tout semble s'arrêter sur la croix. Et toi, qui dis-tu que je suis ? Mille et un visages de Dieu, mille et un noms pour Dieu, paix, pardon, lumière, amour, bonté, tendresse, confiance, joie, espérance. Emmanuel, l'ange donne à Joseph ce nom pour Dieu, Dieu qui prendra visage humain dans un enfant né d'une jeune femme, un enfant prénommé Jésus. Emmanuel, c'est le nom de Dieu pour nous à Noël. Emmanuel, Dieu est avec nous. Notre Dieu n'est pas une divinité lointaine, perchée dans les étoiles qui nous regarderait de loin. Le Dieu avec nous n'est pas un Dieu capricieux qui exigerait des sacrifices pour lui. Le Dieu avec nous prend corps dans un enfant né d'une jeune femme dans une situation des plus précaires. Le Dieu avec nous se dessaisit de son fils pour le confier à Joseph, père courage à qui il revient de nommer cet enfant Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous, voici le visage de Dieu. Si Dieu est avec nous, alors oui, nous pouvons vivre de son pardon et ne plus ployer sous notre charge. Si Dieu est avec nous, alors nous pouvons exalter de joie, car c'est une bonne nouvelle. Si Dieu est avec nous, alors nous pouvons vivre de ce regard de proximité et d'amour sur nous. Si Dieu est avec nous, il nous prend par la main de son infinie tendresse et nous pouvons être semeurs de cette tendresse vers les autres. Si Dieu est avec nous, c'est qu'il nous fait confiance, et la confiance est source de toute foi. Si Dieu est avec nous, il vient dans nos failles, nos ombres, pour les illuminer de sa lumière. Si Dieu est avec nous, alors sa beauté et sa bonté remplissent nos vies et nous envoient au monde, nous-mêmes, comme artisans de bonté et de beauté. La paix, donnée par sa présence avec nous, nous garde. Noël, espérance avec nous. Emmanuel, visage d'un enfant nommé Jésus. Amen. Et nous nous levons pour chanter le cantique d'un arbre séculaire. C'est le numéro 256. D'un arbre séculaire, numéro 256.
Debout, Jérusalem, brille de mille feux, car la lumière se lève pour toi. La glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples. Mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Alors, des nations marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Des rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. Regarde bien autour de toi et vois tous tes enfants. Ils viennent et se rassemblent auprès de toi. Tes fils arrivent de loin. On ramène tes filles en les portant dans les bras. En les apercevant, tu rayonnes de bonheur. Tu en es toute émue. Ton cœur éclate de joie. Car les richesses de la mer arrivent jusqu'à toi. Ton pays se couvre d'une foule de chameaux. Ce sont les caravanes de Madian et d'Épha arrivant toutes de Saba. Elles apportent de l'or et de l'encens en chantant les hauts faits du Seigneur. Nous lisons Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son astre à l'Orient, et nous sommes venus lui rendre hommage. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple, et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux à l'époque à laquelle l'astre apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que, moi aussi, j'aille lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin.
Hérode, dans l'embrasure d'une fenêtre du palais, guette l'arrivée de ces mages d'Orion. Il a ce regard dur et vague des hommes despotiques qui ont su imposer leur pouvoir à coups de pots de vin, de chausse-trappe, de petits et grands renoncements, le pouvoir au prix même du sang. Hérode, pourtant ce soir, sent en lui une faiblesse inhabituelle, lassé définitivement de ses entretiens de nuit, des complots pour berner le peuple, la maîtrise de soi et des autres coûte beaucoup d'énergie. Hérode souffre cette plaie à la jambe qu'aucun des soi-disant médecins de la cour n'arrive à juguler, qui mettra encore 4 ans à le tuer. Hérode, homme boursouflé d'égo, regarde vaguement la ruelle par laquelle vont arriver ces mages d'Orion. Mais finalement, qu'a-t-il à craindre de ces illuminés? Enfin, on ne sait jamais, mieux vaut prendre ses précautions. Cette histoire d'enfant roi, décidément, ce monde juif le surprendra jusqu'au bout. Un enfant roi. Pour Hérode, un enfant, c'est fait pour être loyal et prendre la suite du père comme lui, comme le feront aussi ses 2 fils. Un enfant roi à Bethléem, ce cul-de-sac du royaume, quelle supercherie! Jamais rien de bon n'est sorti de Bethléem. En relation père-fils, Hérode sait bien de quoi il parle. Son père, Antipater, était le conseiller principal d'Hyrcane, de gouverneur de Judée. Son père, Antipater, va utiliser ses 2 fils pour assurer son pouvoir. Il nomme en 47 avant Jésus-Christ son fils, Phasaël, stratège de Jérusalem, et Hérode, son fils cadet, stratège de Galilée. Hérode, homme du coup d'après, qui avance toujours ses pions avant les autres pour mieux anéantir toute opposition et asseoir son emprise sur tous les prétendants au trône, et il le fait par la terreur, l'iniquité et la violence. Hérode, sourire cynique aux lèvres, se remémore ce pauvre Ézéchias qui avait tenté de bousculer l'ordre établi et comment il a utilisé cette histoire pour asseoir son autorité. Hérode a su se concilier l'empire de Rome qui lui fait totalement confiance, et on n'est jamais mieux servi que par l'Empire romain. Hérode, l'intranquille, toujours sur ses gardes, toujours en train d'avoir peur. Les images de son père, justement, le hantent. Il le revoit gisant par terre, empoisonné par Malicus. Et ce père, assassiné, devoir de fils oblige, qu'il a fallu venger, là aussi au prix du sang. Encore une histoire de père et de fils. Hérode, au titre ronflant de tétrarque, le roi Hérode. Pourtant ce soir, Hérode fixe de ses yeux fatigués cette ruelle de derrière le palais, par où doivent apparaître ses hôtes d'un soir.
Hérode, au soir tombant, ressent de l'inquiétude. Un léger vertige le surprend, la maladie, le dégoût de soi. Parce que dans les dires de ces mages, quelque chose lui échappe. Lui, l'animal politique est dépassé, les choses ne collent pas. Ce roi des Juifs, annoncé par des étrangers, étranges étrangers qui en savent plus que sa cour de Jérusalem. Hérode a remué le bon et l'arrière-bon à la pêche aux informations. Rien, pas de mouvement de troupes, ni de rassemblement, pas de complot à écraser, juste une étoile, une caravane de marchands de tapis et de poussière d'étoiles qui tiennent des discours surprenants. Charlatan, astrologue, magicien, savant, roi de Perse, des Indes, d'Arabie, Hérode veut se faire une idée sur ces hommes qui annoncent ce nouveau roi. Ils arrivent, grâce des pas aériens, à l'eau autour d'eux, étoffe colorée et chatoyante de ceux qui aiment la vie. Ils arrivent tout à leur quête, leur bienveillance. Ils arrivent avec l'innocence de celles et ceux qui se sont mis en route. Ce sont des chercheurs qui n'ont pas hésité à quitter leur contrée lointaine, leurs laboratoires, leurs instruments et leurs poudres magiques pour partir et suivre juste une intuition. Les marcheurs de l'étoile, eux, ne semblent craindre personne, même pas Monsieur le tétrarque Hérode. Ils n'ont pas de stratégie. Ils se mettent juste au diapason d'un astre d'Orion. En homme de bonne volonté, ils cherchent la vérité et ouvrent toutes les portes. Pendant l'entrevue, Hérode n'arrive pas à trancher, ce qui est une faiblesse pour un despote. La quête de ces hommes le dépasse car elle n'est pas politique, elle est spirituelle, humaniste. Il n'y a aucune aspérité sur lesquelles ils pourraient se raccrocher pour les condamner dans leur discours. Hérode est impuissance face à tant de bonté. Hérode ne peut donc pas les condamner. En ces mages, tout est lumière. Mieux vaut donc laisser ces doudingues chercher leur enfant roi. Alors, bêtement, il les laisse partir avec une vague promesse de retour. Imbécile d'Hérode, tu ne les reverras jamais. Leurs songes sont beaucoup plus puissants que tes menaces. Hérode, ta quête est tellement vaine que tu ne vois même pas que ces hommes sont venus à toi avec une lumière qui ne fera jamais que t'effleurer. Toi qui te prosternerais pour une pièce d'or, pour quelques arpents de terre déserte, tu n'as que faire d'un petit enfant. Et pourtant, le trésor, la vie, c'est lui. Hérode se plante une dernière fois devant sa fenêtre pour regarder partir ses mystérieux visiteurs. Leurs noms même se perdent sur le chemin de Bethléem et leurs traces illuminent cette nuit par un astre brillant.
Hérode ne verra jamais la suite, son aveuglement l'en prive, l'arrivée dans la maison, la découverte par les mages de l'enfant, leur prosternation, oui, splendide confession de foi de l'humanité entière qui se prosterne devant le roi de ce monde. Pauvre Hérode. Heureux les hommes, heureuses les femmes qui partent en quête, leur vie sera faite de belles découvertes. Heureuses les femmes, heureux les hommes qui se mettent en marche au signal d'une étoile. Ils se perdront souvent dans des impasses, mais trouveront la lumière. Heureux les hommes, heureuses les femmes qui travaillent à l'essentiel. Leur vie ne sera jamais encombrée d'objets, d'histoires de vengeance, d'amertume. Ils seront libérés de leurs aliénations et trouveront la joie du chemin. Heureux les hommes, heureuses les femmes qui se prosternent devant l'enfant, le royaume des cieux, par leurs gestes, par leurs paroles, devient une réalité de notre humanité dès à présent. Amen. Quelques annonces. La semaine qui vient est une semaine de vacances pour la paroisse, donc toutes nos activités régulières sont suspendues en attendant de nous retrouver la semaine qui suit. Je vous annonce déjà les prochains cultes. La semaine prochaine, le 9, avec ma collègue pasteur Sandrine Landau. Nous marquerons aussi le début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le dimanche 16 janvier, puisque ce sera l'abbé Pascal Destieux qui viendra donner la prédication
dans un culte qu'on célébrera ensemble. Et puis, en fermeture de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le dimanche 23 janvier à 18h, ici même à la cathédrale, nous nous retrouverons avec toutes les communautés chrétiennes locales pour, là aussi, une célébration œcuménique, ensemble. À l'orgue, ce matin, nous avions Marcello Giannini. Merci à lui pour son accompagnement. Merci aussi aux conseillers de paroisse qui étaient de service, à Liliane, Valérie, Jean-Claude, et merci à vous de votre présence. Nous allons maintenant recueillir votre offrande et nous chanterons le cantique « Au Seigneur éternel », c'est le numéro 271, « Au Seigneur éternel », numéro 271. C'est joli, c'est un cantique qui est ponctué d'un bravo. Merci. Rejoignons-nous dans la prière d'intercession. Ô Dieu, que ta parole devienne mon chez-moi. Mets-moi à l'abri de toute apathie, et que se lève en moi un ardent désir de bienveillance. Que mes journées battent au rythme de ton cœur, de ton appel à vivre dans l'intégrité de la justice. Dresse la table de mon âme de toute l'abondance généreuse de ton esprit, et que dans ma vie, l'espérance déborde
afin que, tant que tu m'accorderas le souffle, non seulement j'annonce ta bonne nouvelle, mais que j'en sois une source jaillissante. Ô Dieu, que ta parole devienne plus que mon chez-moi, mais pour toujours ma mission. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter « Bénissons Dieu notre roi », c'est le numéro 359. Donner une bénédiction, c'est dire une bonne parole pour autrui. Alors, bonne année dans l'espérance de Dieu qui nous envoie dans cette nouvelle année 2022 avec sa grâce et sa paix. Le Dieu de l'espérance vous remplit de sa joie et de sa paix dans la foi, afin que nous débordions de cette espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.